moyens techniques actuels qui lui permettent d'aller au moins aussi loin. Des moyens techniques que n'avait pas Cézanne, que n'avait pas Gauguin, que n'avait pas Van Gogh ou Delacroix. Par exemple, dans le domaine de la couleur, eh bien, les chimistes actuels créent de nouvelles couleurs qui n'existaient pas avant. Ce qui fait que nous avons une gamme de sensations possibles beaucoup plus grande que celle qui était à la disposition de Corot ou de Courbet, par exemple. La masse de couleurs que pouvait employer Delacroix était beaucoup moins importante que celle de posséder Van Gogh. Et celle, la masse de couleurs du Moyen-Âge, Étage 0.